Saint, chaleureux, à son image. Nous habitons rejoints par des admirateurs du chanteur venu de loin. Un reportage de Joséphine et Nicolas Coulet. Les joueurs de boules ont recommencé leur partie, comme si leur bien était. Pudeur des habitants pour masquer leur peine. C'est la place du village, celle-là même où Jean Ferrat venait faire sa pétance. Un lieu connu de tous ses admirateurs, comme ce Parisien. Dès l'annonce de la mort du chanteur, il a pris sa voiture. Il a roulé toute la nuit pour être ici. Il ne faut pas être allé en plus. Impossible. Aujourd'hui, c'est... Le temps s'est arrêté pour moi. C'est... Aujourd'hui, il n'y a que ton père, mais bon. Tant qu'on n'y a pas dit au revoir, mais bon, on reste là. Entraigue, dans la Seine ardéchoise, son village d'adoption pleure Jean Ferrat. Plus de 40 ans qu'il avait pris racine ici. Depuis 1964, avec une de ses plus célèbres chansons sur la montagne. Parmi les habitants, les plus proches du chanteur s'accrochent à leur souvenir. Aujourd'hui, c'est Alexandre-Ville. Moi, je suis... Je parle des mois de fort, parce que déjà, pour moi, ça a été... Ça a été mon mec. C'est une belle chose, des choses de la vie simple. Voilà, c'était... Jean était un homme de paix, un homme de droit, un homme de pleine rigueur. D'autres se souviennent que c'était des choses étaient parfois encombrants, bien sûr, pour le chanteur. Pas facile lorsque les touristes ou les migrateurs affluaient.